Eh bien bonjour à tous les amis, c'est Footjumper, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça me fait nickel, que d'habitude aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau petit jeu d'exploration nommé Jurassic Explorer. Et oui les amis, vous ne rêvez pas, aujourd'hui vous l'avez compris, on va s'aventurer vers le parc de Jurassic World. Et on va y découvrir tout simplement des dinosaures. Bien entendu, ça serait dommage, écoutez, de s'aventurer directement dans le parc de Jurassic World et ne pas y trouver de dinosaures. Et vous ne rêvez pas, c'est bel et bien un jeu d'exploration. On va vraiment pouvoir se balader, écoutez, à travers tout le parc, hein. Bien entendu, c'est un petit peu le but. Et les amis, ça me fait super plaisir de vous présenter ce jeu qui est en plus de ça très beau à voir honnêtement, mais surtout gratuit, voilà. Donc les amis, on y va, c'est parti pour l'exploration. Écoutez, j'ai hâte de découvrir tout ça avec vous. Voilà les amis, on se trouve du coup dans le Main Street, hein, donc dans la rue principale écoutez de Jurassic World, hein, donc du parc Jurassic World. Et comme je vous le disais, effectivement ce jeu est gratuit, voilà. Donc franchement, un grand tonnerre d'applaudissements aux créateurs qui nous permettent d'essayer le jeu, parce qu'il n'est pas encore pour le moment terminé, hein. C'est un petit peu une version bêta et on va pouvoir du coup assister à des spectacles de dinosaures ou autres, et vous allez voir que ça va vraiment être génialissime. Et comme je sais que vous êtes un petit peu en manque en ce moment, et moi également, d'une dose de arc, je me suis dit pourquoi ne pas refaire un petit jeu écoutez, en rapport avec les dinos, parce que comme vous le savez, pour le moment arc est toujours avec des bugs, tu vois. Donc du coup ça fait que je ne peux pas reprendre l'aventure pour le moment. Ce n'est pas de moi, je vous rappelle, c'est qu'il y a des bugs. Le problème c'est que je lance le jeu, ça crache, voilà. Donc les amis, écoutez, on va s'aventurer du coup dans ce parc. On va essayer de visiter un maximum de zones, hein, ça serait déjà pas mal. Donc on a on a l'espèce de... Attends, c'est... Mais oui, c'est l'ADN, monsieur DNA. Alors oui, donc bien sûr, hein, vous doutez bien, le jeu est encore en anglais, il n'y a pas encore de traduction ou autre. Mais effectivement, on peut trouver donc des trophées dans le jeu qui est... Oh, c'est tellement beau, sans déconner. Ça reste un jeu d'exploration, on va pas capturer de dino, mais ça reste vraiment quelque chose de génialissime. Si vous aviez toujours rêvé de visiter le parc de Jurassic World, et là ça va être chose faite les amis. Donc les, on va commencer avec le Mosasaurus, hein, pourquoi pas le Mosasaurus Arena, voilà, donc la zone du Mosasaurus. Alors est-ce qu'on va, vraiment le voir ou pas? J'espère, hein, parce que j'ai pas payé le billet, hein, 50 000 $. Non, j'ai... Attends, oh, c'est beau. Par contre, alors je dois être un spectateur très chanceux parce que... C'est comme dans le film. Ils amènent un requin pour attirer le Mosasaurus. C'est génial. Je vais me rapprocher. Je vais prendre de l'eau plein le visage. Cet hélicoptère là, c'est l'hélicoptère du directeur, il me semble en plus. Oh, il est beau, Mosasaurus. Oh, c'est trop bien fait quand même. Oh, c'est super bien fait. Oh là là, quelle bête! Mais attendez, est-ce que... Attends, on va s'asseoir là. Est-ce que ça va descendre comme dans le film ou... C'est genre avec l'ascenseur et tout, tu sais? Non? Ah, ça n'a pas l'air d'être le cas. Ah, il faut sortir, c'est ça? Monsieur ADN, est-ce qu'on doit sortir? Ou la... Bonjour, oui, bonjour. Alors, je vois qu'il y a des trophées. Alors, il y a pas mal de trophées à ramasser. Hein, ça peut être un petit succès. Hein, pourquoi pas, mais... alors, malheureusement, je ne crois pas qu'on verra le Mosasaurus de plus près. Bon, peut-être qu'à l'avenir, à mon avis, on aura le droit, bien sûr... Ah, attends, si je lui parle, ça change quoi? Oui, disons moi plus sur le Mosasaurus, d'accord, oui, bon, en fait, il est surtout là pour nous donner pas mal de descriptions sur la bête qu'on connaît très bien. Donc, j'ai envie de dire, pourquoi essayer quand même de se renseigner là-dessus. On sait très bien que le Mosasaurus, c'est une bête immense, hein, pour le coup, mais voilà. Je pensais vraiment qu'on allait pouvoir descendre et tout, bon, c'est pas grave, j'espère au moins qu'il y aura du T-Rex, hein, quand même, parce que bon, hein, un Jurassic Park sans T-Rex, ce n'est pas Jurassic Park, voilà, donc on est tous d'accord. Donc, je vais suivre, écouter un peu tout ce que je trouve comme chemin, parce que on n'a pas de carte. J'ai l'impression, alors il doit y en avoir une, mais genre comme dans tous les parcs d'attractions, à certains points, tu vois, genre les points d'information. Un trophée, merci. Bon, il y en avait plein dans l'arène du Mosasaurus, mais bon, hein, je ne suis pas là pour collectionner les couronnes, enfin les couronnes, les trophées, tu vois ce que je veux dire. Oh, alors on va peut-être croiser, vous pensez qu'on va croiser les raptors? Ça serait pas, alors ça à mon avis c'est une cellule de raptors. Ah, attendez, c'est peut-être une cellule de raptors ou de rex, peut-être. Alors, je ne sais pas si on peut, encore l'hélicoptère, décidément, c'est plus des gardiens, c'est pas le directeur qui passe. Est-ce que je peux ouvrir les portes? Non, je... Je ne peux pas ouvrir les portes, d'accord. Celle-là, par contre, je peux. Oh! Oh! C'est un spinosaure! C'est ça, c'est un spinosaure ou pas? Oh, il y a les trucs et tout! Spinosaurus, oui, c'est ça! Et c'est génial, vous entendez, il y a même de l'audio. Bon, c'est en anglais, mais... Mais c'est trop bien fait! Un crâne de T-Rex.
Ah oui, donc en fait, d'accord, ah c'est bon, je vois d'où on vient en fait, on vient d'ici. Alors est-ce qu'on a raté des trucs ou pas? Non, parce que je veux vraiment tout fouiller avec vous, hein, c'est obligatoire. Alors on a le marchand de glace du Jurassic World, mais vu que nous on est un spectateur bêta, c'est-à-dire qu'on a le droit de visiter le parc qui est pas encore ouvert au public, et ben forcément, il y a pas encore les gens qui bossent, mis à part dans les, dans les attractions. Voilà, donc bah écoutez, on va aller là-bas, donc ça, ça a l'air d'être un cinéma, pourquoi pas. Un cinéma 3D, hein, on a... Oh, c'est des petits chariots raptors! C'est trop mignon! Ok, on va continuer. J'aurais bien voulu une glace quand même, mais bon. Ou une petite bouteille d'eau, parce que là, je peux te dire qu'à mon avis, je vais être assez essoufflé au bout d'un moment. Parce que bon, dans tous les parcs d'attractions, en général, tu fais des kilomètres, hein, je te le dis. Alors, est-ce qu'à droite, on aurait des choses ou pas? Alors, on a pas mal de petites choses. Alors, les portes, si je vais pas dessus, c'est que, comme j'ai pu le constater, c'est qu'on ne peut pas les ouvrir. Donc, ça, ça a l'air d'être des chiottes, très bien. Vous croyez que les WC sont en forme de crâne de raptor? Oh, attends, il y a une autre salle. Alors, est-ce qu'on peut aller par là? Non, on peut pas aller par là. Bon, écoute, on va continuer. On va peut-être aller au centre avant de s'écarter sur les côtés. Oh, il y a l'air d'avoir des dinos. On reviendra. Attendez, on va aller là-bas. On repart dans l'allée principale du parc de Jurassic World. Et du coup, en plus, ce qui est bien, c'est qu'il y a personne, donc pas de temps d'attente. Et là, donc, on a vu déjà le crâne du T-Rex. On a vu que là, bon, à mon avis, c'est effectivement l'hôtel. Bon, il y a plein d'hôtels, plein de restaurants, etc. Bon, c'est pas ce qui nous intéresse. Ah, oh, c'est génial, c'est génial. Oh, je veux une casquette. Je veux un casque de mineur. Enfin, un casque de mineur. Oh, c'est le fameux moustique. D'ailleurs, au cas où vous ne connaissez pas un petit peu ça, c'est vraiment le moustique qu'on voit dans Jurassic Park 1, hein, donc le tout premier, hein, bien sûr, le moustique qui a permis de recréer des dinosaures. Voilà, donc c'est comme ça que a fonctionné tout l'histoire, en fait, de Jurassic Park. Voilà, donc alors là, on a Aquatic Park et on a... Oh, Tyrann. Ouais, on est bien... Ouais, c'est bien ça, du Tyrannosaurus Rex. On est d'accord, j'ai bien lu ça, non, parce qu'il y avait la... C'est les torches qui font des trucs bizarres, non, parce qu'il y avait le palmier devant, donc ça m'a coupé un petit peu le truc. Oh, ça là-bas, faut y aller après. On va y aller après. Oh, c'est génial. Est-ce que je peux y aller là-bas? Moi, je suis vraiment le mec, c'est le mec de la sécurité. Oui, je vérifie que toutes les portes de technique sont bien fermées. Je fais mon job, tu vois. Et là, du coup, on va pouvoir aller voir le T-Rex. Et là-bas, je crois que c'est les raptors, il me semble, ce qu'on voit au fond là-bas. Alors, on y va. Alors, d'accord, alors, on rentre carrément par la porte principale du T-Rex. Oh, excellent. Oh, petite chèvre. Hello everyone. Welcome to the Tyrannosaurus. Bonjour à tous, bienvenue dans la zone du Tyrannosaurus. Vous êtes un petit T-Rex, pardon. Oula. On l'entend. Alors, à mon avis, la pauvre petite chèvre va se faire dévorer. Le T-Rex arrive. On dirait qu'il est un peu en carton, mais... Oh là là. Ah, elle a rien fait. Ah, mais qu'est-ce que tu veux? Mais j'ai rien fait, moi. Alors, à mon avis, ça va mal se passer pour la chèvre. Oh non! Oh, mon bête! Oh, mais il est immense! Oh yeah! Ça, c'est du dino, mon pote. Allez, hop. Ah, ouais, ah, d'accord. Ah, je pouvais pas rester regarder la nature? Non, parce que les arbres aussi m'intéressaient. Ok, bon, bah d'accord, très bien, donc on a le droit à notre trophée. Merci, monsieur ADN. Alors, à mon avis, là-bas, on n'a pas le droit d'y aller. D'ailleurs, je me demande si ça mène où, là-bas, en fait. Peut-être un tunnel pour voir un petit peu plus le T-Rex de près, j'ai envie de dire, pourquoi pas. Alors, attention, on va repasser dans la Main Street. Et alors, on avait vu un truc de loin. Alors, peut-être pas le truc des raptors, parce que c'est quand même assez loin. Je pense qu'on essaiera d'aller voir quand même. Mais à mon avis, il nous faudra peut-être un véhicule pour savoir un hélicoptère. Hein. C'est vrai que depuis tout à l'heure, il y a plein d'hélicoptères qui passent au-dessus, tu vois. Et du coup, qu'est-ce qu'on avait là-bas? Alors, on peut faire tout le tour, justement, de la cage du T-Rex. Oh, attendez, je crois que là-bas, c'est des boules. Alors, waouh. Mais attends, on peut faire vraiment tout le tour. Mais sans déconner, ils ont pas mis de limite. Bon, au bout d'un moment, ça va se fermer, on est d'accord. Ah ouais, non, en fait, ça nous ramène là-bas. Ok, ça nous ramène là-bas. Bon, là-bas, on connaît, c'était tout simplement la partie où il y a toutes les petites cages, mais qui sont fermées, donc on peut absolument rien voir. C'est peut-être des, je ne sais pas, des dinos qui sont en soins ou autre. Mais là, par contre, on a une autre attraction qui est sûrement... Alors, j'arrive pas à savoir ce que c'est. Oh, c'est pour les raptors! C'est bien une griffe de raptor, on est d'accord, ça? Ah non, une Dominus Rex, carrément! Ah ouais! Ah d'accord, il y a aussi l'Indominus. Ils l'ont mis quand même, ils ont osé, ils l'ont mis, d'accord. Mais non! On est vraiment devant l'enclos de l'Indominus Rex. Ah ouais, on dirait vraiment les trucs des raptors quand même. Mais ouais, c'est vraiment comme dans le film pour le coup. Alors on aura la vitre et tout. Oh, c'est génial! C'est comme dans le film! Alors normalement, les camouflés. Ah, est-ce qu'on peut la voir? Je la vois pas. J'aime pas trop ça. Parce qu'une Dominus, c'est quand même très, très, très maline. Alors, oui, bonjour, est-ce que je pourrais voir l'Indominus? Parce qu'on m'a parlé d'une Dominus Rex, là, mais remboursé, là! Elle est où?
Je ne la vois pas. Mais genre, je la vois pas du tout, quoi. Alors, soit les camouflés, mais tellement bien, ou alors ils ont oublié de la... de l'ajouter. Je pense qu'à mon avis, elle est pas encore là. Ouais, c'est bizarre. On va quand même aller parler au DNA, tiens. Ouais, bah voilà, où est-ce qu'il est? D'accord, donc elle est pas encore prête. Ok. Ok, alors j'ai peut-être mal lu, mais apparemment, donc on peut pas la voir tout de suite. Alors peut-être qu'elle est en création, vous savez. Parce que oui, elle a été créée, en cas où vous le savez pas, je veux pas spoil le film, mais... ni l'histoire du truc, mais voilà, dans tous les cas. Alors, elle a pas l'air d'être là. On va quand même explorer tout le truc, mais j'ai un peu peur quand même, parce que bon, c'est comme l'Indominus, hein, c'est un peu le méchant, entre guillemets, du film. Ok, alors, on a rien d'autre, on est sûr? Non, parce que, clairement, il y a peut-être moyen de la voir, hein. Je sais pas pourquoi je sens qu'elle est... Non, on peut pas y aller. Bon, elle est pas là, bon. Elle a pas voulu venir, elle a pas voulu se montrer, écoute. Hein, ou alors, c'est peut-être effectivement ce que j'ai cru voir, c'est qu'elle est effectivement en création et on a uniquement... bah écoutez, bien entendu, l'enclos qui est présent. Et de l'autre côté, on va aller voir un petit peu au cas où on a une mauvaise farce de la part de l'Indominus Rex. Je pense pas quand même, on la verrait, même si elle a une technique de camouflage avancée. Non, je pense qu'on pourrait la voir... Elle est pas là. Bon, elle est pas là. Bon, tant pis. Allez, je prends mon trophée. C'était pénard, je vous jure que c'était pas une excuse pour prendre le trophée. Bon, allez, on va continuer. Alors, j'aimerais bien voir s'il y a effectivement l'attraction, vous savez, avec les espèces de boules. Hein, les petites boules et... Tu vois, les petites boules en verre, tu vois. Donc, ou pour aller voir les ankylos et tout, tu vois. Enfin, tu vois ce que je veux dire, pour se balader tranquillement. On va voir ça. On va voir ça. On va continuer. De toute façon, il y avait aussi l'Aquatic Park qu'il faut absolument qu'on visite, dont je ne connaissais même pas l'existence. Étant donné que il y a eu très peu, on voit très peu le parc de Jurassic World, on voit surtout au début du film. Je voulais monter sur le truc là-bas, t'imagines, mais bon, non, en fait, c'est les fameux circuits qui auraient permis d'aller voir justement, bah écoutez, l'enclos de l'Indominus. Voilà, donc, alors, qu'est-ce qu'on a là? Où est-ce qu'on est? Alors, est-ce qu'on n'est pas arrivé à l'Aquatic Park? Waouh, mais c'est hyper grand en fait. On va repasser par là parce que... Ah oui, là, ça, il faut le fouiller. Alors ça, là, on a vraiment plein d'explications sur, bah écoutez, la création des dinos, sur aussi leur histoire. Attendez, donc on va aller là. Samsung Innovation Center. Ok, on y va. Allez, l'Innovation Center. Avec le magnifique accent anglais. Oh! C'est moi qui avance, hein, vous inquiétez pas, c'est pas une cinématique. Il n'est pas là, Amon? Bonjour! Non, tu es partout, toi, hein. Yeah, regardez, T-Rex, génial, c'est génial. Et là, du coup, on a ouais, l'ADN, bon, normalement, là, rien que s'affiche. D'accord, excellent. Oh là là, John Parker Hammond, c'est lui qui a eu la créativité et tout, enfin, tout pour créer, bien sûr, les dinosaures grâce à son moustique. Tu vois, au dino, ah, d'accord, c'est les dessins, dessine des dinosaures, c'est génial. Oh, ils sont trop beaux, les dessins. Je serais incapable de dessiner comme ça, moi. Alors là, on a l'histoire du Velociraptor, mais malheureusement, ça n'a pas l'air de marcher, parce que oui, normalement, dans le film, on les voit en hologramme. J'ai vu que... attendez, on peut pas monter. Ah, dommage. Ah, je suis déçu, parce qu'il y a l'air d'avoir des trucs là-haut, mais ça n'a pas l'air encore terminé. Est-ce qu'on peut glitch? Oui, parce que je suis comme ça, moi. Non, je pense qu'à mon avis, c'est pas possible. Mais il y a les œufs là-haut. J'ai vu qu'il y avait les œufs. Alors bon, excusez-moi, Amon. Ouais, d'ailleurs, regardez, c'est dans cette canne qu'on voit le moustique, en fait. Ah, il est dedans. Voilà. Oh, laboratoire. C'est ici qu'ils créent les dinosaures. Oh, les naissances et tout, tout est contrôlé, quoi. On peut pas y aller. On est d'accord, on ne peut pas y aller. Seulement les scientifiques sont autorisés à rentrer dans cette zone. Ok, donc là, on a l'assemblage de l'ADN, je pense. On peut aller par là ou pas? Non. On ne peut pas aller par là. On a quoi ici? Le séquenceur. Ok. Oh, si, on peut y aller. J'ai cru que pendant un moment, j'étais devenu un fantôme et que je pouvais passer à travers le... Oh, c'est génial! Petite cuve là, tout ça. Oui, je suis devenu un scientifique. J'ai toujours rêvé de visiter le parc de Jurassic World. Ou alors le parc de Jurassic Park, bien sûr. Ok, donc le moustique. Ouh. Ah, oh, d'accord, merci pour le trophée. Hop, oui, merci pour le trophée, voilà, c'est bon. Qu'est-ce qu'on a? Ok, on a encore plein de moustiques, plein de tout ça. De l'autre côté, est-ce qu'on peut y aller ou pas? Oui, on peut y aller. Nursery. Donc les naissances. Les bureaux. Des clémentines. Très bien, enfin des oranges plutôt. C'est trop cool. Ça serait trop bien de les voir éclore. Bon, on est, c'est des raptors, ça. C'est toujours un raptor, de toute façon. C'est quoi cet œuf là-bas? Il est immense. Ça serait pas l'Indominus, hein? Hein, je sais pas, hein. Peut-être, je ne sais pas. Normalement, ils sont en plus, il y a une jumelle hein, dans le délire. Bon, allez, vas-y, on s'en va d'ici. C'est pas grave. On a vu déjà pas mal de choses. Et même les musiques sont trop cool.
Bon, c'est dommage que je ne puisse pas montrer la partie en hauteur là-haut, mais c'est pas grave. On viendra s'il faut une mise à jour peut-être plus tard, je ne sais pas. Mais en tout cas, direction l'Aquatic Park. Enfin, normalement. Peut-être qu'on va croiser autre chose entre deux, mais... Et ça fait plaisir de voir les dinos, parce que moi, personnellement, ça m'a énormément manqué de pas jouer à un jeu de dinos. Et vous aussi, je le sais, donc voilà. Donc là, au moins, on est... Oh, Giant. Oh, je n'avais pas vu ce passage. Ah oui, mais ça revient au même. Génial. Alors, où sont les dinos? Parce que pour le moment, on a vu que le T-Rex... Bon, je pense qu'à un moment donné, ouais, étant donné que le parc est en construction... On n'a pas encore tous les dinos qui sont présents. Oh, regardez! On peut acheter de la nourriture pour le randonnée. S'il vous plaît, respectez les dinos. Très bien. Ok, bon, il n'y a absolument rien, mais pas de problème. Donc, normalement, en fait, on a... Je peux passer au-dessus, non? J'allais dire, c'est un peu violent quand même, hein, mais... D'accord, on a des ballons. Ok, donc, normalement, on aurait pu arriver par là. Je crois qu'Aquatic Park ne doit pas être très, très loin. Je pense que, ouais, la porte est là. Ah, on peut pas retourner. Quoi? On peut pas passer par là? Mais non! Ils auraient pu donner un accès quand même, t'imagines le détour que ça te fait? Est-ce qu'on peut rentrer là-dedans? Oui, j'ai l'impression, hein, en fait, ça doit être juste de la décoration. D'accord, donc là, à mon avis, ici, c'est plutôt une zone à dino plutôt pacifique. Hein, pas carnivore, enfin, je veux dire, dans le sens, bon, ils sont pas violents, quoi. Ça, c'est pas du tout une zone pour les rex ou les raptors, on est d'accord, mais plutôt pour tout ce qui est parasaur, je pense. Peut-être stego, pourquoi pas, et peut-être triceratops. Quoi que triceratops, ça reste à vérifier aussi également. Alors, on va passer par là, parce que j'ai l'impression que pour aller dans la zone aquatic park, on est obligé de faire un détour, hein. Voilà, donc, bon, tant pis, j'aurais pu me prêter un espèce de ces trucs là-bas, la roulette, là, ça aurait été sympa, j'aurais eu l'impression de me balader à d'autres dinos, tu vois, mais bon, allez, vas-y, on va par là. L'Aquatic Park! Yay! Qu'est-ce que c'est? Gyrosphère! Oui, c'est ça! C'est les gyrosphères, les boules en verre! Ah, oh, c'est trop cool, ils ont ajouté les gyrosphères. C'est génial. On va pouvoir aller se balader dans une gyrosphère, en fait, simplement. Hélicoptère! Oh, tu voles un petit peu trop bas, là, mon pote, là. C'est le directeur. Il vient voir si tout va très bien. Alors, la gyrosphère, est-ce que c'est par là? Non, non, ça a l'air d'être plutôt la zone de... On s'est fait arnaquer, il n'y a pas de gyrosphère. On peut même pas mettre pied dans l'eau, quoi. Tu sais, on n'a pas le droit, quoi. C'est... Non, 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 vous allez attendre qu'elle parcourt. Donc là, on a carrément le parc aquatique, quoi. Énorme. Franchement, c'est génial. Bon, ça manque un peu d'une touche. Ouh, il y a du grimpe à l'arbre. Ça manque un peu de touche de dinosaure, mais pourquoi pas. C'est génial. Alors, est-ce qu'on peut aller là-haut ou pas? J'ai pas l'impression. Je pense qu'à mon avis, non. Regarde. Oh, si! Oh, mauvaise parole! Regarde! On peut y aller! Voilà, pour prendre le trophée, mais... Voilà, regardez, j'en étais sûr. Voilà, tu peux juste prendre le trophée et voilà. Ok, alors ça, ne pas reproduire quand vous allez tout simplement visiter le parc, parce que ça resterait dangereux. Mais où la gyrosphère? Bon bah écoutez les amis, j'ai décidé de m'asseoir sur un banc, voilà. Comme ça, histoire de... Voilà, de poser, de regarder un petit peu tout, de voir encore les... J'ai l'impression qu'on voit plus l'hélicoptère qu'autre chose. Il nous surveille ou quoi? Oh, je vais... Vous inquiétez pas, je vais partir d'ici. Voilà, donc bah écoutez les amis, j'ai pas trouvé les gyrosphères, je pense qu'à mon avis... Ah, regardez, on a la confirmation. En fait, ici, voilà, ça va être des stégos et effectivement des triceratops. J'en étais sûr. On en était sûr. En tout cas, les amis, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour de cette démo, on va dire, du parc. Donc Jurassic World. J'espère en tout cas que ça vous aura extrêmement plu que je vous présente. Bah écoutez, ce parc, hein, vraiment là de là pour le coup, on a pu le voir pour de vrai, hein, et non pas seulement avec le film. Moi, j'étais super content à l'idée de savoir qu'on pouvait visiter justement le parc. Bon, il reste énormément de choses. Je suis tout à fait d'accord avec vous. À ajouter bien entendu au fil du temps, mais vraiment ça vaut le coup, et en plus on peut trop rien dire étant donné que c'est complètement gratuit, donc vraiment on est là vraiment pour tester, vraiment en tant que bêta testeur, hein, comme je le disais un petit peu, et j'étais super content de vous présenter ce parc, et j'espère que vous aussi vous avez adoré. En tout cas les amis, je vous invite à lâcher un maximum de pouces bleus comme d'habitude, ça vous a extrêmement plu. Je sais que Ark vous manque énormément, je le répète les amis, parce que je reçois des centaines de messages, voire des milliers tous les jours, me disant que Ark, est-ce que ce serait possible de le lancer, ce n'est pas de moi que vient le problème. Je vous rappelle que ça vient uniquement du jeu qui crache malheureusement à chaque fois que je relance ma partie. J'espère tout simplement, écoutez, que ma partie n'est pas corrompue, hein, vraiment. Je suis même carrément en train de discuter avec limite les grands développeurs du jeu pour essayer de résoudre le problème, mais on fait au mieux. J'espère en tout cas que ça sera résolu le plus vite possible. En tout cas, merci beaucoup les amis de m'avoir suivi, c'était FeuJumper. N'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus pour ce parc de Jurassic World qui est vraiment très très sympathique. Vous retrouvez bien sûr tout dans la description si vous voulez essayer par vous-même. Je vous rappelle que c'est complètement gratuit, voilà. Et n'hésitez pas surtout à vous abonner à la chaîne, c'est pas déjà fait. Et les amis, je vous remercie grandement de m'avoir suivi dans ce parc et dans cette visite surtout. C'était FeuJumper et je vous dis à très bientôt. Ciao les amis.